Si vous combinez ces ingrédients, vous les mettez ensemble et les appliquez avant de dormir, vous me direz merci 100 fois au réveil. Le dentifrice sur les pieds, beaucoup sont surpris par les résultats lorsqu'ils testent ceci. Si vous êtes intéressé par les problèmes de santé et les remèdes naturels à la maison, comme cette vidéo, abonnez-vous ici et cliquez sur la clochette de notification pour recevoir nos conseils tous les jours. Cela peut sembler un petit peu fou, le fait de mettre du dentifrice sur vos pieds, mais c'est vraiment l'un des meilleurs ingrédients que vous puissiez utiliser pour faire des miracles sur vos pieds et beaucoup d'autres choses que vous ne saviez peut-être pas. Cette astuce que je vais vous donner est l'une des préférées des dermatologues. Alors assurez-vous de regarder cette vidéo complètement, car en plus de cela, je vais vous présenter d'autres astuces que vous pouvez faire avec le dentifrice. Mais avant, je voudrais connaître votre nom pour vous souhaiter personnellement la bienvenue sur ma chaîne et vous remercier d'avoir rejoint la communauté et de vous être abonné. Je vous attends dans les commentaires. Maintenant, prenez note des astuces suivantes avec le dentifrice. Numéro 1, le dentifrice pour les coupures. Les petites coupures ont tendance à générer des douleurs très irritantes pendant l'activité au quotidien. Les blessures peuvent se réouvrir. Pour soulager la douleur et faire que les plaies guérissent plus rapidement, il suffit d'appliquer une toute petite quantité de dentifrice sur la coupe et le problème sera résolu. En numéro 2, les brûlures superficielles. La solution au problème est identique que la recette précédente, peut être appliquée sur les brûlures mineures. Si pour une raison quelconque, vous avez une petite brûlure très superficielle, sachez qu'il est possible de soulager votre douleur immédiatement avec les merveilles du dentifrice. En numéro 3, le dentifrice peut être le secret d'une belle salle de bain bien propre. Vous ne devrez en appliquer qu'une seule petite quantité de pâte dentifrice sur la région de la céramique difficile à nettoyer et utiliser une brosse pour ramollir. Enlevez le tout et puis rincez. Vous remarquerez que tout cela brillera comme neuf. Avant de continuer, je vous invite à partager ces informations précieuses, mes amours, sur les réseaux sociaux afin que ça touche d'autres personnes via WhatsApp, Snapchat, Instagram afin que d'autres puissent en profiter. En numéro 4, ceci permet de nettoyer les écrans. En plus de tout ce que nous avons cité jusqu'ici, le dentifrice fait un excellent travail quand il s'agit de nettoyer les écrans d'ordinateur, télévision ou même encore de téléphone qui se remplissent inévitablement d'empreintes digitales. Donc avec un petit peu d'eau et de la pâte dentifrice et un tissu, nettoyez l'écran pour qu'il soit brillant. En numéro 5, ceci élimine les mauvaises odeurs. Si vous avez déjà coupé les oignons, vous saurez qu'il est très difficile de les enlever, d'enlever cette odeur agaçante sur vos mains. Cependant, vous pouvez facilement l'enlever en frottant un petit peu de pâte dentifrice sur les mains. Ensuite, vous lavez les mains avec de l'eau. Les mains cesseront de sentir l'oignon. En numéro 6, pour les rayures sur votre écran. Si à un moment, vous voyez que votre écran de téléphone portable a une très moche égratignure, vous pouvez vous débarrasser de cela à l'aide de votre dentifrice. Pour cela, il suffira de frotter un tout petit peu sur l'écran de téléphone et il sera propre comme neuf. En numéro 7, ceci aide à coller les enveloppes. Oui, beaucoup de gens n'y pensent même pas. Et pourtant, il suffit d'essayer et vous allez être agréablement surpris. Ça se comportera exactement comme la colle forte. Enfin, comme prévu, je vous explique comment vous pouvez vous servir du dentifrice pour résoudre les problèmes de pieds secs et même les pieds fissurés. Les ingrédients nécessaires pour cela sont 180 mg de dentifrice blanc, 100 mg d'huile traditionnelle d'amande, 100 mg de glycérine. Utilisez ces ingrédients pour le traitement de vos pieds secs et fissurés. En général, le dentifrice a une composante qu'on appelle le menthol qui apporte de la fraîcheur à notre bouche. Mais en plus de cela, peut contenir des produits chimiques spéciaux pour détruire les bactéries qui se logent dans la bouche. Lorsqu'ils sont appliqués aux pieds, les résultats sont pratiquement les mêmes. Grâce à ces composantes, la douleur dans les pieds diminue aussi et pareillement pour les cellules mortes. Une fois appliquées, ceci les gommera en laissant les pieds lisses et sans fissures. Les amandes ont beaucoup de vitamines pour hydrater la peau. Leur application quotidienne est fortement recommandée par les dermatologues car ils régénèrent le derme et préviennent les maladies de la peau. La glycérine peut hydrater vos pieds considérablement vu qu'ils sont toujours exposés aux changements climatiques et ne sont jamais correctement traités. La préparation est assez simple. Vous mélangez tous les ingrédients en quantité comme on l'a cité plus haut jusqu'à l'obtention d'une pâte consistante, crémeuse et douce, complètement performante. Avec ceci, vous aurez assez de crème à utiliser pendant quelques jours. Une fois que c'est bon, une fois que vous avez fini de préparer cela, vous pouvez l'appliquer sur vos pieds. Mais si jamais en cours de route ça se termine, n'hésitez pas à en repréparer de même quantité, hein, vous respectez les mêmes dosages.
jusqu'à ce que vous obteniez les résultats souhaités. Je précise ici qu'avant de l'appliquer, vous devez tenir compte de votre état de santé général. Ceci pour vous dire que si jamais ces matériaux vous causent une sorte d'allergie, alors stoppez immédiatement le traitement. Sinon, appliquez-le sur vos pieds tous les soirs avant de dormir et portez une paire de chaussettes. Vous verrez que ça va tout simplement être magique. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces astuces vous avez le plus aimé. N'oubliez pas de partager cette recette via les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Snapchat et même Instagram pour que ça touche un maximum de personnes. Pensez aussi à me laisser un cœur dans les commentaires. Si vous ne souhaitez pas commenter, je serai déjà très heureuse rien qu'avec